Donc, on se retrouve contre Sofonx 7Q, on a noir, et notre adversaire a 7,5 de commis. 45 minutes chacun encore, plus 5 fois 30 secondes, et c'est les règles chinoises. Donc, on va commencer tranquillement avec un Hoshi. Et ouais, je suis un peu en retard ce matin. Petit café, c'était nécessaire. Hop là. Donc, Hoshi également en face. On va... On va... À l'autre partie, j'ai fait ça. On va le réessayer, tiens. On va le réessayer. Corriger peut-être certaines choses. Hop. Ça joue beaucoup en haut. Ok. Dans le parti, c'était Hoshi. Double Hoshi, je crois qu'il m'avait fait blanc hier après. Approcher de ce côté. On joue en direction de Pierre. On aurait pu aussi empêcher le Shimari, mais ça va, tranquille. On peut en faire un nous-mêmes encore. Donc il n'y a pas de souci. Je vais mettre le message épinglé, tournoi, pas de backseat, backseat, slash head, retard de minutes, stream, ouf, ouf, tac, voilà. Alors, et ça approche directement, ouais, ok, normal. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Je peux ignorer hein, et aller directement par là ou aller directement en C15. Je peux aussi jouer localement. Un coup comme ça, c'est pas mauvais. En fait, si je tenuki, je me mange un Q5 qui n'est jamais très agréable. On va jouer ça tranquille. Salut Sunzu, merci à toi. Oui, pour ceux qui verraient la partie sur YouTube plutôt, je mets pas le chat sur la scène parce que je trouvais que c'était un peu encombrant, il y a trop de choses au bout d'un moment, donc c'est pas nécessaire, je pense. Alors, ça c'est temps. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? C3, C6, C6, et petites choses par là qu'on a envie de faire, hein, je pense. Je dis ce coup-là, hop, si je fais bien. Ce coup-là ou ce coup-là. C'est les trois qui m'attirent là, clairement. On va voir ce que je fais. Vérifiez que vous voyez bien, oui. Un de ces trois-là. En vrai, je vais prendre un coin, j'aime bien les coins. J'aime bien les points purs. Et comment est-ce qu'elle joue du coup ça? Peut-être qu'elle va laisser connecter. Ok. Tu peux couper, tu coupes. Du coup, ça monte. Tac, tac, tac. Bah, tu lui manques une pierre en H3, quoi. C'est ça qui va être chiant. A voir si j'ai envie de jouer direct avec ou pas. Mais normalement, ce Joseki se joue quand il y a eu une pince en H3. Ou une pince en J4. En K4. Moi je connecte. Et là souvent c'est F2, justement s'il y avait eu la pince en H3 ou en K4. Et c'est E3 quand il y avait la pince en J4. Mais là ouais je comprends que t'as envie d'être solide quand justement il n'y a aucune pierre dead. Quitte à rajouter un coup derrière quoi. Et en même temps, là, je pense que l'envie, ça serait plutôt d'aller en rajouter une extension Shimari. Mais c'est plus sage de rajouter, oui. F4, c'est très probablement le bon coup, parce que imaginons Blanc ait pris son extension ici. J'aurais pu descendre et, je sais pas, sauter. Ça aurait été très compliqué dès le début pour la baguette, donc il vaut mieux stabiliser. Tant pis pour le Shimari. Donc là j'ai deux.
Deux envies, C15 et O17. O17, c'est pas mal également. Hein. Ou même R14. Hein. Vraiment jouer par ici. Développer quelque chose d'intéressant. Plus ou moins gourmand, on va dire. Ou alors empêcher le Chimaris, ce qui est très bien aussi. Hein. Mais, je sais pas. Après ce Choseki en bas à gauche, ça va être vachement plat. J'aurai beaucoup de pierres sur la troisième ligne, en fait. Quand on voit 7 pierres, 7 pierres, 7 pierres, 7 pierres. Et si je joue là, bah, c'est très plat, quoi. C'est ça qui m'embête un peu. C'est pour ça que j'ai peut-être envie de faire un O17 plus que le R14 pour jouer large. Si ça prend son extension, ben, une fois que j'aurai joué O17, hop, on regarde la même ligne. Et là, du coup, si blanc joue là, je joue O4. À la fois, ça attaque sa forme et ça grandit le moyeu. Et en même temps, O17 verrouille un peu, quoi. J'ai l'impression que c'est sympa. On va le faire. Alors, je suis étonné du 7Q de ce Fonks. Ça doit être plus dur sur OGS, du coup. Ouais, c'est plus dur, hein, je pense aussi, parce que ce Fonks c'est meilleur que ça. Même le CQ que j'ai affronté hier, c'était chaud. Et par exemple, moi, de Q là, je suis un Dan sur KGS. Donc je pense que ouais, c'est plus sévère globalement sur OGS. Un, deux niveaux selon les personnes, j'imagine. Je voyais hier, Witak, je pense que je torture son pseudo, de Q aussi. Hein. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Ok, ça prend le Chimari large. Ok. Dans ce cas-là. Ah, ça donne vraiment envie de faire O4. Ou alors un coup vers Q10, mais c'est peut-être un peu dommage. Puisque de toute manière, même sans Q10, même avec Q10, on sait que blanc peut rentrer sur ce bord. Donc autant gagner plus de force possible pour justement à produire plus derrière en fait. Hop là! Ouais, on va faire ça. Ça a l'air d'être de la bonne direction. Hop. Je mets dans stream diffusion. Stream. Ça protège. Dans ce cas-là, j'ai envie d'avancer. Ou de jouer par là. Si je viens ici, blanc vient là, je bloque, il fait atterri, je vais là, il avance, je vais là, il peut couper. C'est pas forcément les meilleures idées, tout ça. Juste Nobby, je pense que c'est bien. Après, blanc peut avancer et couper. Il n'y a pas de chicho. Il faudrait que j'ai une pierre ici. Pourquoi le chicho marche pour moi? Noir, blanc. Et là, il faut imaginer ça, en fait. Tac, 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 tac. Et ça arrive sur cette pierre. Tac, ça arrive ici. Si j'avais une pierre noire là, ça serait cool. Sauf que quand je joue là, je retire tout l'Adji qu'il y a dans le coin, avec des coups comme D16, D14, ou plus occasionnellement, je sais pas, E17, D18. Parce que si je joue là, le blanc monte et il n'y a plus grand-chose dans le coin. Noir, blanc, noir, blanc. Noir, blanc. Ouais, c'est un peu compliqué là ce que j'envisage. Ou alors juste une extension par là. Hein. Ou par ici. Ça va être marrant aussi. On va voir comment ça réagit en face avec ça. Obligé de rentrer, je pense. C'est beaucoup trop gros.
On va voir. Pas quel cours ajouter ici, donc on va pas y revenir. Parce que moi, ce que je regardais, c'était si j'ajoutais un coup ici. Mais en fait, quand blanc monte, je disais, si après je fais cette séquence où je coupe, je vais me retrouver à court de liberté à un moment. Donc j'aime pas trop. Et ça joue ici, très bien. Je pars là. De ces trucs, hein, là, le O10 n'est pas forcément fameux, mais. C'était sur la ligne, on tente des choses. Quand blanc étant. Blanc n'étant pas, ok. Ok, c'est intéressant ça. Parce que si je viens là, blanc peut revenir ici tout de suite. Si je viens là, blanc peut faire ça. Je bloque, il vient ici. Je vais là, il va ici. Je bloque là, je viens là, ici. Pas mal comme coup ça. C'est pas mal du tout. On va faire ça, hein. Mais la séquence est quand même pas trop mauvaise, je pense, pour blanc. Blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir. Et blanc peut choisir son côté. Je pense qu'il a envie de connecter avec sa pierre. Moi, je bloque ici. Il revient là. Saute. Séquence de la sorte, c'est pas forcément fameux pour moi, hein. Parce que je fais pas tant que ça dans le coin, parce qu'il reste encore des petites faiblesses peut-être. Tout simplement CMT ici, j'ai pas grand-chose. Hein. C'est vraiment pas une très bonne séquence en fait. Je pense qu'il faut rajouter un coup au cas où. Mais ouais. Finalement, je fais rien ici. Donc là, ouais, la séquence est compliquée pour moi. Ça commence pas très bien. Du coup, O10, il sert à rien. Il sert littéralement à rien parce que finalement, je fais pas de point sur ce bord, pas vraiment dans le coin, pas encore dans le coin ici. Pas de nul. Ah là là. Bon, ça se tentait, hein. Ça se tentait. Blanc n'attend pas tant que ça de point sûr non plus. Je préfère sortir plutôt que vivre ici. Bon, on va fermer. On va dire ok, faire un petit mur peut-être pour jouer de ce côté sur le bord nord. Mais je sais pas, là, elle avait peut-être un peu peur. Et là, s'appuyer ici, je vais là, ça va là, tac. Garantir la vie, quoi. On va bloquer. Hein. Est-ce que le T16 est CNT? Ah, c'est, il faut d'abord enfermer quoi. Pour que ce soit CNT. Il faut d'abord enfermer. Ouais, ça obtient ce coup-là. Ouais, c'est pas fameux. Hein. C'est pas fameux ce que j'ai fait.
Bon, il faut mettre la pression sur cette pierre en K17. On va venir là. Avec la séquence tac, 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 tac. Ouais. On va faire un petit mur ici. Essayer de mettre la pression sur cette pierre. On vient de ce côté. Hop. Ça descend. Je viens ici. Non, c'est ça, mais là j'ai peut-être envie de faire celui-là. Pour pas qu'elle glisse au-dessous trop facilement. Et là on met la pression sur cette pierre encore une fois. Pousser vers la force. On joue vite. Hein. On joue très vite là. Avance ici, ok. À protéger comme ça, en menaçant de faire F18 un jour, ce serait pas mal. Maintenant, il faut y descendre, sinon c'est trop gros. Ou alors. Alors, si elle compte et qu'elle pense que ça suffit, faire un coup de réduc à l'entrée. Ça peut être sympa aussi. Tu as le droit de faire le tournoi avec un chat? Ouais, la première partie, du coup, j'ai pas fait avec le. J'avais mis en Nemoticon Only. Et Fulgogo m'a dit qu'il n'y avait pas besoin. Qu'il faisait confiance si. Voilà, qu'on gère, quoi. Donc, c'est pour ça que j'ai mis le message épinglé, pas de backseat, pas d'aide. Et j'ai mis un. Donc là, tu entendras ma réponse. J'ai mis aussi un délai de 2 minutes pour aider à ça. Ouais, normalement, ça devrait aller. Hein. Ok, ça joue large. Elle joue bien. Hein. Et salut à toi, Niken Toby. Ça donne envie de presque taper dessus. Hein. Si ça vient par là, je cross-cut. Si ça vient par là, on recule. Mais bon, il faut faire attention au groupe à gauche quand même. Ouais, ça joue bien en face. Ça donne envie quand même. Juste dire non. Cross-cut. Ouais, bah c'est compliqué comme début de partie là. En fait, j'ai fait n'importe quoi ici. Du coup, c'est après mon O4, j'aurais dû faire quoi? J'aurais dû juste continuer comme ça? Je sais pas. Ou alors à la place du O10, j'aurais dû faire un Q10 ou un truc là. C'est possible aussi. C'est possible aussi, il faudra que je regarde après.
Développer quelque chose d'intéressant ici aussi en tournant là. Peut-être que j'ai envie de reculer tout simplement solide. En même temps, ça donne envie, hein. Mais blanc peut aller directement ici. Je connecte. Plutôt comme ça, du coup. Hop. Ça peut peut-être un peu plus mettre la pression sur ces trois pierres si ça joue trop par ici. Et si ça pousse, j'avance. Si ça joue ça, je connecte. Ça joue là, je menace de couper. Ça joue là. On ne saura jamais. On ne saura jamais. Là, il faut tourner, hein. Sinon, ça fait mal pour ces pierres-là, je pense. Bon, ici au moins on fait pas mal. Q2 va devenir gros aussi. Mais là il y a C8 qui est gros pour blanc. Rien qu'un petit coup en C9 pour moi c'est pas mal je pense. Faudrait que je compte un peu là. J'ai un peu plus de 60. Merci. Enfin, c'est pas moi, mais ouais. Petit groupe irlandais là. Je sais pas laquelle t'avais. Du coup, comme il y a 2 minutes de décalage, je pense que t'as Shores of Botany Day. Botany Day. Est-ce que je peux la copier-coller? Hop. C'était sûrement celle-ci que tu entendais. Alors, ça vient ici. On va connecter. Hein. Ça veut couper ici? Effectivement. Bon, je vais jouer là, blanc va faire attaque ici, je vais venir là, mais c'est senté parce que ça menace B17. Une fois que j'ai F18, alors effectivement là ça va prendre ces deux pierres, mais une fois que j'ai F18, ça menace de sortir là. Si blanc vient là, je fais attaque, tac, et ensuite je reviens là. Ah oh, bah non, c'est pas senté. Non, non, c'est pas senté du tout. Ah, oh, c'est chiant ça, du coup. Bon, il faut que je rende ça senté. Atari, tac, Atari. Ça vient là. Plutôt que faire ça, parce que ça retire pas mal de liberté un jour, ça peut être chiant si se passe des choses par ici. On va faire ça.
Mais oui, c'est chiant comme ça. Au moins, on aura le CNT, on pourra jouer ailleurs. Mais comme tu dis, Lumi, ça va être compliqué. Après, c'est pas la partie bizarre. Bon. Donc, je me comptais une soixantaine et blanc. Un peu plus de 60 si on est si on compte tout ça à blanc en fait. Donc en soi, c'est encore serré. En soi, c'est encore serré. Surtout que blanc, s'il obtient C8, c'est énorme aussi. En vrai, est-ce que ça va être si dur pour blanc? Je sais pas. Il y a plusieurs coups que j'aimerais bien jouer là. Le Q2, un coup par ici, un coup vers C9. Mais c'est assez gotté C9 en fait, quoi. Blanc, il a absolument pas besoin de répondre, quoi. En fait, ouais, à partir du O10, c'est vraiment vite devenu désagréable pour moi aussi, je trouve. Bon, ça vaut beaucoup de points quand même. Mais vraiment, je fais ça, blanc répond C8. Entre les deux, qu'est-ce qui fait le plus de points? On a l'impression que ça fait tout ça à blanc. Un coup en C8, on a l'impression quand même que ça va faire tout ça comme point. Quasiment. Alors qu'ici, ça va me rajouter juste ça. Est-ce que c'est si intéressant? C'est ça que je veux dire en fait. C'est pour ça que là, je me dis ça, c'est absolument gotté, mais en même temps, c'est gros. Et je pense aussi à un coup en K3, mais bon. Ça attaque un peu ce côté. L'autre, j'ai plus de doutes, hein, ça joue R2 et c'est bon. Si je vais plus proche, c'est assez risqué, ça joue au milieu, je sors. Oh, ça doit être jouable ça. Faire un peu plus chier. Je me sens pas très à l'aise dans cette partie, c'est bizarre. C'est le matin. C'est un concert depuis tout à l'heure en fait. Hop. La musique. Mais c'est où? Ici. Ah, c'était l'intro. Bonsoir. Alors. C9, ça lui enlève du potentiel spatial. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai été jusqu'en C10, un peu plus gourmand. Un peu plus actif, peut-être. Mais oui, je pense que c'est pas si mal, parce que le C8 semblait quand même très gros pour blanc. Et comme c'est. Comme je comptais quasiment égalité, là, bah, ça va un peu me condamner si je laisse ce coup, je pense. Même si Q2 est gros, mais ça valait le double, je pense. Disons que nous. Ah, disons que noir est solide avec des points là où blanc c'est ouvert. Ok, oui. Vous et moi. Et là on va sauter. En fait, je parie un peu sur les bordels qu'il peut y avoir en descendant ici, en jouant un petit coup là. Même j'ai joué K11, pas L12, donc j'ai des pierres de soutien, je peux jouer comme ça, je pense. De toute façon, j'avais rien à produire spécial ici alors que blanc si. Ça peut pas enlever du potentiel.
Qu'est-ce que blanc a envie de faire ici? Sauter. Kick. Chômage pour lui, c'est chiant. Ah mais non, mais je suis bête. Tac. S'il me laisse l'occasion de jouer ça. Ah, c'est catastrophique pour les pierres en fait. Donc ça, c'est gros. Tac, tac. Je sacrifie ça finalement. Pour ça. Ça semble énorme. Ça semble énorme. Donc là, ça recule ici pour blanc. Après, je me retire de la J. Ouais, je sais pas. Et après, on saute comme ça. Ouh. J'ai 15 pour le CNT, c'était un bon coup, chapeau. Ah ouais, c'était bien, parce que j'étais pas sûr du tout de mon truc, mais... Merci. Et surtout, c'était pour retirer des libertés, je trouve. Comme ça, là, il y a des questions à se poser. Si un jour, je fais l'Atari là, bah, ils sont obligés de répondre, tout ça. Beaucoup plus. Là, j'hésite entre C12 et sortir d'une quelconque façon. Mais en même temps, blanc, est-ce qu'il peut enfermer vraiment facilement? Parce qu'encore une fois, s'il fait ça ou ça, quand je pousse là... Il y aura Atari chiant. Ouais, mais celui-là, il a l'air bien pour blanc. Forme de la fleur. Si blanc fait G9. Imaginons, je joue là, blanc joue G9. Noir, blanc. Noir, blanc, noir. Noir. Blanc bloc, noir. Et noir atterrit sur les deux pierres. J'ai une manière ou d'une autre ici. Mais ça n'a pas l'air de marcher parce que je vais me faire atterrir sur cette pierre. Ça n'a pas l'air de marcher. Il faut que je sorte tout de suite, j'ai l'impression. Un jeu par ici. Ça a l'air de poser pas mal de problèmes quand même. Si blanc vient par là, un jour je pourrais revenir par ici et isoler toutes ces pierres. En même temps, si blanc recule, je gagne des possibilités ici. J'ai retiré une pierre à cette, une liberté à cette pierre. Donc peut-être que je peux revenir en C12 maintenant. Si jamais ça recule. Mais si ça avance, je peux même aussi pour l'instant avancer et voir comment ça se passe en laissant G12 en suspens. D'être fantaisiste. Ça recule. Bon, il n'y a plus de problème maintenant sur son groupe, normalement. À moins qu'il y a... Si j'ai ça, ça, et ça... Non, il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de problème. Et là, maintenant, si je viens ici...
clic blanc bien là. Je peux encore une fois avancer, tac tac. Bah, c'est le même problème un peu. Bon, on va avancer tout simplement. Y a pas... C'est pas si mal. Si ça coupe, c'est une erreur, je pense. Si ça coupe, noir, blanc, et je sais pas. Noir quelque part par ici. Je ne sais pas. Ça, ça sera gros pour blanc plus tard aussi, le N4. Ça sera pas mal. Une petite musique que j'aime bien, tac, celle-là. Ok. Ça me retire pas de liberté, du coup. Ça me retire pas de liberté. Faut que je fasse attention au groupe quand même, mais... Bon, on va juste partir en fait. On va juste partir, c'est très bien. Ah, mais un peu de temps à démarrer la musique. Pas évident pour blanc parce qu'il doit faire attention à ses deux pierres, cette montée serait douloureuse également. Donc c'est dur de m'empêcher de partir tranquillement. Et ce groupe il fait pas grand chose mais il retire tout le potentiel ici. C'est déjà très intéressant. Il a même retiré un peu de points de ce que j'avais compté ici. Par contre ça va peut-être le permettre de développer un peu en bas, c'est vrai. On va voir. Moi, il m'a pas ôté de points. Ouais. Cool. Faut que je rajoute ce coup d'abord pour ne plus avoir vraiment d'ennui. Enfin, il restera la réduction en B5, mais c'est pas. C'est seulement qu'ici je peux jamais monter. Parce que quand ça bloque, si j'essaie de couper ce genre, il a la descente en C5 qui. À laquelle je ne peux pas bloquer en B5 sinon il capture ma pierre en B6. Enfin mes deux pierres en devenir. Donc chiant. Pour ceux qui le verraient pas, si jamais je jouais là, en blanc bloc, et à chaque fois quand je tente n'importe quoi, blanc peut descendre, quand je protège, il m'était atterri sur les deux pierres. Et même si je fuyais, il me capturait tout. Les trois. Donc je peux pas bouger, c'est pour ça que je joue ce coup là, même si c'est
Ça renforce un peu blanc, mais au moins je pourrais faire des choses. Ouais, je pourrais couper sans avoir peur de ça. Et en même temps, ça menace de se connecter partout. Hein. Accessoirement. Je pense que blanc sait qu'il y a des... que c'est chiant, il y a des problèmes, mais c'est beaucoup trop douloureux de concéder une connexion et je connecte. Blanc n'aurait rien gagné, moi j'aurais fait des petits points en retirant son potentiel. C'est lourd. Moi je vais maintenant partir. Donc là je m'éloigne. Je pars dans cette direction, du coup, là où il y a un peu d'espace. Mais en même temps, je menace plus ce coup-là. Donc on se renforce un peu dans la zone, on a une pierre qui peut déranger un peu plus maintenant, quoi. J'essaye vraiment de pas trop en montrer avec les séquences comme ça, de pas aller trop loin, ou alors des séquences qui sont déjà jouées qu'on ne peut plus jouer. Pour pas très pas voir des choses que je ne devrais pas voir. En imaginant plus de coups dans ma tête. Et en même temps, ça menace des coups comme G4 qui sont un peu chiants. Parce que si je vais en G4, que blanc prend G3, je peux faire Atari. C'est chiant. Et oui, le B5 abîme mon coin, mais je vivrai avec un A2 à la fin de séquence. Ok. Donc là, c'est parce que ça dit, oui, mais si t'avances, j'avance. T'avances? J'avance. Je peux aller par là ou par là. Donc là, je peux aller ici. Faut juste que je vérifie ce que ça fait ce coup-là blanc. Je vais là, ça coupe. Je vais là, ça peut couper. Donc attention à ça quand même. On peut appuyer ici, ça renforce encore un peu blanc. Mais en même temps, s'il connecte ici, je peux faire une gueule de tigre et je suis vraiment fort dans la zone. Mais en même temps, s'il va là, cette fois-ci, je peux pousser ici. Blanc va là, je viens ici, blanc vient là, on stop, blanc vient là, et on bloque. S'il fait atterrir de ce côté, je vais là, s'il fait atterrir de ce côté, je vais là, et je connecte, y a pas de soucis. Ça a l'air pas mal. Soit on obtient ça, soit on obtient ça. Je pense qu'on va obtenir celui-là, parce que ça serait intolérable pour blanc. Est-ce que blanc a un moyen de se connecter par ici? Blanc, noir, blanc. Non, noir fait Atari, puis fait Atari. Ça vient là. Mais du coup, je peux faire ça? Noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir. Ouais, je peux aller là.
question. Si blanc va en B10, que je vais en B11, le crosscut des fois ça marche, mais là, je peux faire Atari, puis Atari, après blanc palais là, je capture. C'est compliqué. Ça a l'air compliqué. Et là, ça abîme le sud. Ce qui me fait dire que Q2 devient de plus en plus gros par rapport à un coup ici, je pense. Quand on essayait de hiérarchiser K3 au Q2. Ouais, c'est logique, on va s'en sortir ici. Mais... attention à ces séquences où je sors. Ici, il n'y a pas beaucoup de liberté. Je suis pas sûr qu'il y ait un truc tout de suite, mais... ouais, non, il n'y a rien, parce que blanc peut pousser de ce côté. Ouais, je dis n'importe quoi. Il y a trop de liberté ici. Si j'avais eu une carte en 18, oui, mais là, non, ça va, il n'y a aucun... il n'y a pas de souci pour blanc. Ok. Bon, blanc va connecter au-dessous. Mais sans faire de points, vraiment. Et ce qui est chiant, surtout, c'est... ah, je suis senté, je peux vraiment attaquer ce bord sud. Je peux encore ajouter un coup ici, d'ailleurs. Ah, vraiment dommage qu'il n'y ait pas des choses à jouer ici. Venir par là. Continue d'embêter un petit peu. Blanc va venir en B13. On va venir ici. Et est-ce qu'il n'y a pas des petites choses ici? Tac, blanc va là. Noir vient ici. J'ai l'impression qu'il y a des petites choses. Noir, blanc, noir. Blanc connecte ici. Sinon je peux faire un double atari. Sauf que du coup, je peux sortir ici, et quand blanc va là, je peux faire Atari là. Du coup, blanc va là-bas. Attends, bah non, blanc... ouais... c'est la merde. Il y a un manque de liberté. Ah mais non, mais il y a cette liberté. Ah. Il y a cette liberté, j'ai rien dit. Non, ça marche pas, il y a cette liberté. Zut. Dommage. Non, il y avait des choses assez marrantes qui se déroulaient ici. Bon. En bas, parce que c'est comme ça. Attention à blanc à ne pas faire ça. Bon, en même temps, il a aucune raison de faire ça, non? Il connecte, c'est tout. Comment on met la pression de la manière la plus efficace? Si je vais là, il peut aller là, mais si je fais ça, il peut faire par au-dessus. Je connecte. Il connecte, je reviens là. Et c'est un peu compliqué, il faut que je fasse attention.
Ouais, il manque une liberté. C'est dommage. Ou alors je force là d'abord. Et ici. Il reste deux libertés. Je viens là. S'il vient ici, je peux retourner là. Il vient là. Je vais ici. Ouais, mais j'ai que 3 libertés contre 4. Faudrait le F18. Ok. Et si je sors tout de suite? Enfin, noir, blanc. Non, ça change. Faudrait F18, j'imagine. Il me reste 16 minutes, ok. D'ailleurs, il n'y a pas le son des pierres depuis tout à l'heure, mince. Désolé. Chaque fois, j'oublie de remettre. Dans ce cas, comment on attaque mieux ces pierres? Faut que je fasse attention aussi, je suis pas encore 100% connecté. Noir, blanc, noir. Je sais pas trop comment jouer la suite. Parce qu'il faut que je fasse attention à ce groupe-là, en fait. Ça m'embête de rajouter un coup avec. Tac, tac. Il faudra que je fasse cette attaque d'abord. Tac. Et ensuite, elle est là. Blanc peut faire ses points sur la troisième ligne, donc ça ferait combien? On va dire qu'il a 20 points ici. Ici, il va en avoir 5, 6. Il est à 60 points. Et moi? Toujours vers une soixantaine aussi, hein, c'est serré. C'est serré, les 0 pierres capturées chacun. La partie est très serrée. On va faire ça. Hein, déjà. De toute façon, il faut que j'aide mon groupe. Après, on verra. Et après, on verra. On peut pas couper sinon Atari, tac, et je descends. Mais là on peut pousser et ensuite prendre ça. Je fais ça, est-ce qu'il peut couper à ce moment-là?
Je capture. Ouais, ça semble short en liberté. De toute manière, maintenant, voilà, si je fais ça, oui, je suis connecté, mais il fait beaucoup plus au sud, peut-être. Noir, blanc, noir. Blanc va pas aller là, sinon noir va là. Ça peut être chiant pour son bord sud quand même. Ah, ça peut être chiant pour ça, il meurt. Non, ça doit être faisable en fait. Tac, blanc, noir. Blanc fait double atari. Je réponds là. Je suis quand même content en fait. Ça va, c'est pas si dramatique. Parce que j'imaginais des séquences où je fais ça et peu importe s'il me coupe, je connecte là, il connecte. De toute façon, je suis vivant dans le coin et je jouais par là. Mais on peut faire la même chose tout en gardant la pression sur ça en fait avec ce coup. Comme ça, maintenant ces pierres-là, j'ai plus besoin de surveiller, c'est vivant dans le coin. Et il faut juste que je. Si je garantis qu'il n'y ait pas tous ces points-là, je suis en avance. Double atari, je connecte. Et ça atterrit dans ce sens-là, effectivement, mais je peux faire contre-atterri. Ça descend. Ok, non, ça fait ça. Oh, je vais faire atterri, hein. On joue la G jusqu'au bout. Ce qu'il y a, c'est que c'est si ça capture, je peux jouer le coup. Si ça descend, je peux jouer le coup avec ça. Et j'ai quelques menaces ici, on va dire. Ici, c'est dur de savoir si j'ai vraiment des menaces. Il y a des petites choses à faire. Qu'est-ce que blanc a comme menace? Bon, ça, hein, déjà. J'imagine. D'abord. Sinon, si je connecte, blanc vient là et on s'en va, mais on n'a pas de belle façon de partir. En vrai, on va lancer ce coup. Je vois pas pourquoi je lancerais pas en fait. Ça a l'air gros. Capture là. Je capture. Maintenant, il faut que blanc trouve une menace plus grosse que ça.
que cette descente? Blanc, noir, blanc, noir protège ici, blanc pour aller par là, noir va là, c'est chaud. Ah, il faut compter, il faut compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 points, on va dire. 35. Et ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22... Bon, pour l'instant, c'est plus gros, c'est vrai. On va répondre, et on a deux de menaces. On a celle-ci. Qui menace d'aller faire un Atari. C'est chiant. Peut-être que j'aurais dû faire ça d'abord. Bon, j'ai la chance, ça répond, mais je pense que je devais faire ça d'abord. Je sais pas. Je menace quand même d'isoler vachement le centre. Bah non, ça pouvait capturer là. Ouais, je suis pas sûr de mon coup en fait. Maintenant, je vois que ça. Ou comme ça, mais ça revient au même. Allez. Là, je viens là et j'ai quoi d'autre comme menace après? Si, comme menace, après j'ai ça, quoi. Parce que si ensuite je peux jouer là, déjà un ça menace de couper ici, et même de tuer tout le groupe. Et si ça sort blanc, ça sort pas. Hein. Donc il a que ça pour sortir. On vient là, ça sort là, on va là. Ça semble compliqué de sortir. Ouais, ça c'est sûrement une bonne menace. Parce que ça c'est trop risqué, faudrait que je lise hein, mais... Noir, blanc connect. On fait d'abord Atari ici. Noir connect. Blanc connect, pardon. Ah non, blanc recapture. Ouais, c'est un peu compliqué. Trop compliqué à mon goût. Faut que je garde un peu de temps pour cette fin de partie. Et maintenant quoi? On capture ça. Et là, ça dit double Atari ici. Je protège, Atari, je viens là, Atari, je viens là. Ça protège. Ça marche pas ça, si? Bah si, il y a Chicho. Tac, 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 tac. Oh la vache, jolie lecture.
Si, je viens là. Il faut pas capturer pour blanc, parce qu'après je peux faire cette attaque là. Ça protège ici. Ouais. Je me fais avoir un peu. J'essaie de développer le centre un peu. Ah, belle séquence pour blanc là. Ici, blanc, il ne devrait pas avoir trop de points. Je pense. Il y a peut-être des petites séquences un peu chiantes. Ouais, ça prend les points ici. Ouais. Ça a l'air gros, non? Noir, blanc, noir. Mais si blanc joue ailleurs, je peux aller en T13 qui va faire un séki. Et en même temps, je retire les trucs chiants du coin. Ouais. Vraiment dur cette partie, je trouve. Il y a des très belles séquences de blanc. Essayer de partir, provoquer ça, tac tac. Et là, on peut lancer même ça. Ah non, blanc irait là. Non, il y a que ça. Ah, c'est chiant. Bon ben, ça va vivre et on va couper. Noir, blanc, noir. Blanc, noir. Blanc, noir. Ouais. Protège. Oula, les messages du bot, il faudrait que je retire peut-être. Désolé. Pour ceux qui sont encore là, désolé. Ouais. Me fait défoncer, hein. Je me fais avoir. Oh là là, c'est dur. Hein. Vraiment. Ouais.
J'y arrive pas. Si je fais ça, blanc, noir. Blanc, noir. En fait, il y aura ça, tu vois, quoi. Ouais. Ouais, petit coup vers N5, tout ça, je pense que c'est pas mal. C'est de casser plus que c'était, ouais. Ouais, c'est. Je pense que je joue pas très bien aussi ce week-end. Hein. Mais ça fait quelques semaines déjà, là, je sais pas, j'arrive plus. Enfin, pas aussi bien qu'avant. Ouais, si je vais là, ça gagne ce coup. Si je vais là, ça peut gagner ce coup, j'avance. Autant faire ça, hein, parce que, il faut pas que ça se rapproche trop de cette force. J'ai ce coup-là en poche. En réserve, on va dire. Qui peut être chiant. Genre ça, tac, tac, et on va là. Donc autant jouer simple. Et salut Chris. Salut, salut. Mais oui, ça joue bien en face. Ça joue bien. On va enlever ça. Ici, là, en fait, il y a 2 secondes quand j'étais en mode A, mais je me fais avoir, c'est parce que j'hallucine compagnon. Hein, je croyais qu'il y avait le guetta. J'hallucine compagnon. Sauf qu'en fait, finalement, en bas, blanc, il peut encore faire ses points comme je disais tout à l'heure. Donc j'en ai pas forcément retiré ici, et moi j'en ai pas fait. Là blanc est en avance, non? Du coup. Faudrait que je recompte, mais je crois. Après j'en ai fait un tout petit peu en à droite, ce que je ne comptais pas parce qu'il y avait des problèmes. Ok, si je fais ça en même temps, ça peut jouer sur mes libertés longtemps. Donc autant faire ça, ça fait ma mauvaise forme, et après on verra. Salut Braze, comment la sensation. Comme la sensation que le plateau est flou. Oui, le plateau est flou. Regarde, là, ça serait mieux comme ça. C'est flou parce que de temps en temps, en fait, j'ai une appli superposée par-dessus qui me permet de montrer, par exemple, bah là, je sais qu'après, prochain coup, blanc, ça va faire ça pour que je capture ici. C'est pour montrer des trucs comme ça, en fait, de temps en temps. Normalement, ça me sert beaucoup plus dans mes parties parce que je montre vraiment les séquences auxquelles je pense, genre 10 coups, jusqu'à 10 coups plus loin. Mais je préfère éviter là parce que si jamais j'ai fait. En vous montrant une séquence en mode regardez, je pense ça dans 10 coups et que je me trompe, et en fait, avec des petites indications comme ça, je vois que je me suis trompé, qu'il reste une liberté ou autre genre, bah, ça serait un peu de la triche. Donc, je l'utilise quand même pour montrer, regardez, c'est ces pierres ou c'est cette direction que je veux prendre ou n'importe quoi, parce qu'on peut faire des flèches aussi, hop, genre des trucs comme ça, mais pas plus quoi. Mais c'est quand même utile, j'aime bien.
Mais oui, du coup, ça fait le plateau un peu flou. C'est dérangeant. Il est très flou. Ah, tu me répondras dans 2 minutes. En fait, je me dis, c'est pour ça que je regardais. Alors. Ça attaque de partout! Quelle violence! Il n'y a pas l'idée. Après, ça va faire ça. Là, ça, je fais ça, et ça fait ça, et ça prend vraiment la force, mais elle est trop forte! Elle est trop forte, Sophie. Est-ce que je sacrifie pas ces deux pierres? Tac, tac, je vais là. Ça capture? Ouais, c'est super dangereux parce qu'après ça peut aller là et ça peut aller là. C'est super dangereux. Mais non, mais je suis con. Oh! Moi j'ai perdu. J'ai perdu. Oh là là. C'est dingue, hein, la partie est nulle de ma part, c'est incroyable. Bah, j'ai perdu. Je vais raconter les trucs, mais j'ai plus rien. Yoyomi. Il n'y a pas besoin de trop compter en fait. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Il reste 4 Est-ce que je périodes. continue ça? Je sais pas. Je sais pas quoi faire là. Je me suis fait défoncer. Dix, neuf, huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un. Il reste 3 périodes. Bon, je vais essayer de compter un peu. Hein. Ouais, RIP. C'est incroyable, hein, je. 10, Ouais, c'est 9, ça. C'est ça, c'est 8, ça. 7, 6, 5, 4, 3, 2. C'est ça, Chris. Oh là là, compliqué. Il me reste des coupures de merde en plus. 10, 9, 8.
pense qu'on peut d'abord faire les états ici. Tac, 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 tac. Et revenir défendre. Reviens défendre d'abord. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Bon, il n'y a aucun coup bizarre qui marcherait. Dix, neuf, huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un. Il reste deux périodes. Ça peut faire cette attaille. Ouais, il fallait que je connecte ici. Mais ça faisait pas grand chose non plus. Ouais, ouais, ouais. Mais là, la blanc elle est là. Je vais là. Ouais, blanc pouvait aller là, je pense. Bon, je vais connecter. Hein. Mais en fait, blanc peut couvrir et je peux pas faire grand chose. Ouais. C'est triste. Dix, neuf. Ouais. Ouais, allez, 10, hop. Là, je meurs ici aussi. 8. Allez, on 7, abandonne. Bien joué. 6, bien joué, bien joué. Hop. Merci pour la partie. C'est mérité. C'est clairement mérité.